C'est tout bon. Bonjour à ceux qui nous rejoignent, mais je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient là. Donc, bref. Donc là, j'ai changé de guitare, mais on est toujours sur les guitares CTL. Voilà. Peut-être tu veux dire un petit mot sur cette guitare-là ? Ouais, donc ça, c'est modèle LP Caster. Donc, visuel, c'est LP, puis donc tout l'électronique, c'est Caster. Anti-9. Micro, c'est du Tonrider, c'est des micros anglais. Et les mécaniques, c'est des Graphtech ratio, c'est-à-dire qu'elles sont adaptées à chaque corde. Voilà, ça on va aller voir les mécaniques justement. Et puis voilà. Et après pareil, touche carbone, fret, inox, comme toutes. Voilà, non fret, inox, et tout en carbone, elle est encore plus légère que celle-là finalement, qui était la plus lourde des. C'est ça, celle-ci plus lourde des trois. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et voilà, en rouge pailleté. Voilà. Voilà, Metal Fleck. Exactement. Super. Voilà, super. Donc la guitare qu'on va entendre un petit peu sur tout le reste. Et donc là, on a changé d'ampli puisque on est sur. Je vais t'inviter à venir sur les Little Big Amps. Little Big Amp. Voilà. Je m'appelle Rincel et je présente cette marque. Donc là, on va passer donc quelque chose de plus simple. Donc là, on a volume tone. Donc il y a un trémolo intégré, il y a un reverb. Donc là on est basé sur deux lampes de puissance au L84 et deux AX7. Donc là c'est tout simple, voilà. Voilà, et puis donc au niveau de l'ampli, de ce que j'ai compris, c'est un combo qui est un petit peu tout en un en fait. C'est-à-dire que déjà c'est un ampli qui est relativement simple, relativement minimaliste, puisque tu as juste volume et tone, ouais. Voilà. Et puis à côté, il y a un trémolo avec deux réglages sur le trémolo, et puis la reverb. La reverb. Voilà. Et puis c'est à peu près tout en fait comme réglage. Ouais, c'est tout. Il y a tout simple. Avec voilà. Mon HP des 10. Il y a quoi comme lampe ? Il y a deux SOL 84 et deux AX7. Donc là, on est plus sur des Vox. Ouais. Après, c'est tout simple. Super, mais c'est ce qu'on a entendu un petit peu en son clair. Ouais. Son clair, ouais. Il y avait un petit peu reverb, mais si tu veux, on va ajouter un petit peu le trémolo. Et on va ajouter un petit peu le trémolo, ouais. On est vraiment sur le son de l'ampli puisqu'il n'y a pas d'autre effet que les effets intégrés à l'ampli. Donc un petit peu de reverb et surtout le trémolo qu'on entend bien, vraiment le truc qui tourne.
Là, il n'y a rien. Si... le son sec. Et voilà. Alors aussi, il y a la réverb naturelle de la salle qui est à prendre un petit peu en compte là, pour la résonance, puisque là, c'est tout droit avec le plafond. Mais ouais, donc la réverb et le trémolo, bah, ça rajoute pas mal de profondeur quoi, sur de clean. Voilà, super. De toute façon, voilà, on va continuer à envoyer les trucs dedans. Alors, un petit mot maintenant sur la guitare. Là, on parlait des mécaniques. Et donc, les mécaniques, tu m'as dit que c'était des mécaniques. C'est GrafTech qui fait ça, là. Ouais. Et donc, c'est le modèle C-Ratio. Donc, chaque mécanique... Voilà, les mécaniques... Voilà, donc les mécaniques ratio, alors moi c'est la première fois que j'essaye ce genre de truc, et c'est vraiment pas mal puisque vous avez remarqué quand on accorde une corde aiguë, ben, on tourne beaucoup plus que quand on doit accorder une corde grave où il faut être un petit peu plus minutieux. Donc là par exemple si je veux me mettre en drop D, vous avez vu ce que j'ai dû tourner une bonne plage, et ce qui fait que c'est très précis, c'est super agréable en fait. Un peu déroutant au début quand on a l'habitude, un peu comme tout le monde, de jouer sur des mécaniques un petit peu, enfin normales, qui ont le même ratio d'engrenage. Voilà, donc là les ratios d'engrenage qui à l'intérieur sont un petit peu différents en fonction des cordes, c'est assez agréable. Et voilà, oui, tout à fait. Qu'est-ce que je voulais faire? Voilà, je voulais un petit peu pousser le truc. Donc là, on est toujours aussi sur les pédales Ministry of Tones. Donc je vais mettre la Ultima Ratio, donc voilà, que tu as présenté juste avant. Voir un petit peu. Mettre un petit coup de régine. Je crois que tu en as deux des régines, ouais, là d'ailleurs. Celle de ton plan, j'étais en 18 volts, celle de droite est en 9 volts. Alors qu'est-ce que ça change? Bah tiens, tu parce que sinon on n'entend pas les gens. Donc la régine marche sur juste la... Non. Ça marche en fait donc sur deux voltages possibles, donc en fait en gros de 9 à 18 volts. Et la grosse différence c'est qu'en fait pour faire simple, les ampli ops qui sont à l'intérieur vont fonctionner beaucoup plus fort, donc du coup on va avoir plus de gains, ça va être plus organique. Et là en fait depuis tout à l'heure Robin utilise la version 18 volts, donc en gros on va vraiment rapporter une bonne grosse dose de gains avec celle-là. Si on l'utilise en 9 volts, on va être beaucoup plus clair.
va être beaucoup plus clair dans le son qu'on va avoir, notamment si on l'utilise en boost. Par exemple, si on utilise cette pédale vraiment que en boost, il faut être en 9 volts. Par contre, en 18 volts, notamment si vous voulez booster un channel lead qui est un peu faiblard, c'est juste ce qu'il faut. Parce que là, on va vraiment rajouter le côté organique de l'effet. Voilà, et c'est très efficace. Et la plage va de 9 à 18 volts. Donc ça marche aussi très bien en 12 volts. Après, au-delà, les composants sont taillés pour prendre 24 volts. On peut aller au-delà de 18 volts. Mais là, c'est pas utile parce qu'on va surcompresser et on va perdre le côté aérien de la pédale. Voilà. Ça, c'est la Regine, donc en 9 volts. Et je crois qu'il y en a une qu'on n'a pas faite. Non, il y en a deux qu'on n'a pas faites. On n'a pas fait la Reverb. Alors, un petit mot sur la... Salut. Un petit mot sur la Reverb. La Reverb, c'est une Reverb numérique, full numérique, type plate, avec des réglages très intéressants, notamment la vitesse de rebond et la queue de réverb, qui permettent vraiment de sculpter vraiment la réverb, soit avoir des choses très rationnelles et ce qu'on entend déjà, notamment on peut penser au son de Robin Ford par exemple sur les plates, ou alors vraiment des choses beaucoup plus éthérées, limite shimmer en fait, selon que l'on joue avec les potards. Voilà. Super. Thank you.
Voilà, donc la reverb. Donc il s'appelle la reverb, reverb ratio. Réverbératio, pardon. Ouais, je vais appuyer. Donc ça c'est la réverbératio et on a l'équatio ou l'équatio c'est un equalizer format pédale 10 bandes, donc spectre large, c'est à dire qu'en gros ça marche aussi bien sur les guitares 6 cordes, 7, 8, 9 basse, piano et on l'a même testé avec des violons donc pour, dans l'autre côté du spectre, notamment des violons piézoélectriques et ça fait un boulot formidable. Ça marche en 9 volts. C'est, on a plus ou moins 10 dB sur chaque fader et ça fait vraiment très très bien ça va, c'est vraiment pour sculpter son son. Voilà. Tout de suite la différence puisque là on a la on a eu beaucoup plus de gains mais parce que là vous le voyez pas mais la on a plein de petits potards en fonction des fréquences, on en a une douzaine, oui 12 c'est ça, 11 purée, en fait, j'étais presque, on a 10 bandes de fréquences. Ah, oui, le oui, dernier voilà. Fader en fait c'est un pardon. Gain c'est un gain général qui est pareil sur les mêmes valeurs, donc plus ou moins 10 dB voilà. Et ça peut aussi servir de boost, tout simplement. Et là, tu es au 3 quarts en fait, au niveau du gain. Voilà, donc, et voilà, la courbe de fréquence, elle est un petit peu comme ça. Donc, elle est assez poussée vers 500 ou 500 et 1000 Hz. C'est ça, donc voilà. Là, on est sur les cordes de ré de mémoire, sol et ré. Quoi. Ouais. Voilà. Et voilà, donc c'est pour ça, là on peut l'utiliser clairement comme un boost en fait. Tout à fait, en fait il suffit de me faire une petite buzz dans les médiums, notamment pour les solos, on fait une petite buzz dans les médiums, on pousse un peu le gain, et au moment où on a besoin de se faire entendre, parce que généralement on est noyé dans le mix, on appuie dessus, et d'un coup on sort du mix sans avoir rien changé au son. Ouais. C'est juste une histoire de perception de l'oreille, tout simplement. Alors tiens, du coup on va faire ça, et par contre je vais baisser un petit peu le gain ici. Donc là par exemple si on est sur un overdrive. Donc là, c'est pas une pédale d'overdrive qu'on enclenchait, donc c'est vraiment la reverbatio. L'équatio, pardon, l'équalisation. Donc qui par rapport. Là, elle attaque assez violemment l'ampli. Après, voilà. Donc là, on pousse un petit peu le son. Mais après, je sais pas si l'ampli est spécialement adapté pour. Ouais. Et sachant qu'on peut aussi faire l'inverse, notamment, c'est-à-dire quand on additionne les gains de plusieurs pédales de drive, ça peut être pas mal aussi de mettre l'équation derrière. Et de baisser le gain général justement pour rattraper un peu, pour relisser le tout, et éviter le côté trop boueux. Donc c'est vraiment un outil multifacette, il faut juste se l'approprier. Voilà, donc là on a utilisé comme gain, mais on pourrait très bien aussi, au lieu de pousser dans les médiums, changer le son d'une OD en creusant justement dans les médiums. Ben, on va essayer de faire ça. Tiens par exemple, si on prend la régie. On va faire un V justement. Pour changer, hop. Là, on est bien. Voilà.
dégagé même encore un petit peu plus, ouais. Voilà, un beau V. Donc là, 100... Ça c'est l'équatio. Je crois qu'on a fait un petit peu le. Merci. Très gentil. Voilà, donc je crois qu'on a fait un petit peu le tour de toutes les pédales. On est comment niveau temps? Super. On est bien. Super. Bien. Bah, écoutez, je vous invite à tester le matos. Évidemment, vous êtes là pour ça. Donc, je rappelle les guitares CTL en carbone. C'est léger. D'une seule main, vous avez vu. Voilà, donc les guitares CTL, l'ampli Little Big Amp et les pédales Ministry of Tone. Il y aura, pour ceux qui regardent la vidéo, dans la description, le lien vers les sites internet et les réseaux de ces marques. Merci. Donc voilà, je vous remercie à tous d'être venus et je vous dis à la prochaine.